reporter. C'est mon opinion sur le suffrage féminin que vous voulez connaître. Oui, mais... Eh bien, sur 9 dixièmes de la planète, les femmes votent. 12 millions de Françaises sont exclues de la vie publique où leur action est légitime et nécessaire. Tant pis pour vous, messieurs. Vous avez créé le suffrage universel et il faut en suivre fatalement les conséquences et jusqu'au bout. Tout ce qu'on dira contre le vote des femmes vaut contre le vote des hommes. Maître Von Netter, je vous remercie. Nous sommes candidates toutes les deux dans le 5e arrondissement. À Viatrice, je ne fais pas de politique. Je gagne la vie de mes 5 enfants. C'est surtout pour eux que je désire voter. Moi non plus, je ne fais pas de politique. Je désire simplement l'égalité des droits entre les Français et les Françaises. Quoique non éligibles, mesdames Louise Weiss et Maurice Fina ont entrepris une campagne électorale symbolique. Le Sénat, voilà la citadelle anti-féministe dont il nous faut vaincre la résistance. Liberté, égalité, fraternité pour tous, pour nous comme pour eux. À Échigé, en Côte d'Or, la lutte électorale a été chaude. Échigé, symbole éclatant de la supériorité féminine, possédait en effet une municipalité en jupon où les conseillers étaient des conseillères et où le maire, Madame Enoch, régnait puissance incontestée. Les hommes, reprenant de l'audace, ont contre-attaqué. Furtivement, ils ont ourdi leur plan de campagne, constitué une liste. Femmes contre hommes, la lutte s'engageait. Dès le lendemain, les sections féminines de choc d'Échigé relevaient le défi et, délaissant leur cuisine, patrouillaient. Lutte farouche où tous les moyens étaient bons. Les hommes de leur côté, leur tendre compagne muée en Amazone du suffrage universel, menacés des pires restrictions, passaient à la défense passive. La fièvre montait, homme ou femme. Place à la voix du peuple souverain. Dans la salle du scrutin, sous la présidence de Madame la maire, Échigé a voté. Qui l'emporte, du jupon ou de la barbe? La barbe a triomphé. Échigé aura un maire, mais gare aux représailles. Chers téléspectateurs, l'homme qui vous parle, pendant qu'il en a encore le droit, était jusqu'à lundi soir un seigneur, un féodal, un potentat, bref, un homme marié. Nous sommes un certain nombre de millions dans ce cas. Depuis mardi matin, notre règne est fini. Une nouvelle loi est entrée en application. C'est la loi qui réforme les régimes matrimoniaux, qui donne aux femmes un certain nombre de droits nouveaux. Cette loi a été votée l'été dernier. Elle a été publiée, je crois bien, au journal officiel le 14 juillet dernier, date symbolique. Et il s'agit de savoir si, grâce à l'application de cette loi, la femme est désormais l'égale de l'homme. Pour étudier ce problème et pour voir s'il suffit d'avoir voté et publié cette loi pour que la femme devienne l'égale de l'homme, nous avons réuni ici, ce soir, 4 dames. Déjà, elle n'est pas l'égale de l'homme, puisqu'elles sont 4 et moi je suis seul. 4 dames qui sont Mademoiselle Marie-Madeleine Dienesch, députée des Côtes-du-Nord, Madame Odette Launay, députée de Paris, Christiane Collange, rédactrice en chef de l'Express, et Madame Payet, qui est professeure de psychologie à l'École normale supérieure d'éducation physique de Châtenay-Malabry. Eh bien, mesdames, nous allons partir de cette loi. Nous demander si vous avez le sentiment qu'elle donne satisfaction aux femmes, et puis nous verrons s'il n'y a pas un certain nombre d'autres problèmes, non pas accessoires, mais peut-être plus urgents, qui se posent pour vous, pour toutes les femmes. Madame Launay, vous avez été l'un des rapporteurs de cette loi. Est-ce que vous estimez qu'elle donne vraiment satisfaction, qu'elle marque un grand progrès? J'estime que c'est un premier pas qui a été fait, et qui est certainement, pour les femmes,
un gros avancement par rapport à ce qu'elles avaient auparavant. Signe des temps aussi, l'importance prise par les femmes dans la vie active du pays. D'ici 1970, le nombre des femmes ingénieures, mathématiciennes, électroniciennes se sera multiplié. Et elles ont même prouvé lors de la dernière guerre que le métier des armes ne saurait leur être étranger. Leur rôle ne fera que grandir dans les années qui viennent. La France de grand-maman a vécu. En ce qui concerne les années à venir, les Françaises trouveront devant elles toutes les voies ouvertes. Elles peuvent déjà et pourront assumer toutes les charges, publiques ou privées. Il n'est même pas impensable d'imaginer que l'une d'elles, un jour, sera présidente de la République. Eh bien oui, je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette République d'hommes. C'est légal et pourtant cela choque, cela paraît étrange, même aux hommes de gauche, et cela doit l'être puisque je suis la seule. Certes, les grands partis se disent tous partisans de l'égalité des hommes et des femmes, et ils n'en finissent pas de voter et de revoter des lois sur cette égalité. Mais quand il s'agit de donner des responsabilités, quand il s'agit de commander, de diriger, alors tous ces hommes-là considèrent que cela doit rester une affaire d'hommes. Il y a un mot qui revient souvent dans le vocabulaire du féminisme qui n'est pas très expliqué, vous pourriez peut-être me l'expliquer, c'est le mot sexisme. Qu'est-ce qu'il faut mettre autour de ce mot? Alors, c'est un mot que nous avons forgé par analogie en somme avec le racisme. Le racisme, c'est la doctrine qui pense justifier d'établir des discriminations entre les êtres humains d'après leur race. Eh bien, le sexisme, c'est l'attitude qui prétend établir des discriminations entre les êtres humains d'après leur sexe. Nous avons commencé à parler de sexisme à propos des insultes que les hommes déversent volontiers contre les femmes. Il y a une loi qui, je crois, date de 1945 et qui interdit de traiter un homme de sale juif ou de sale bicot. Et si on insulte un arabe, un juif de cette manière-là, on peut être traîné devant les tribunaux. Mais qu'on dise à une bonne femme, qu'on dise d'une bonne femme salope comme toutes les bonnes femmes ou hystérique comme toutes les bonnes femmes, il n'y a pas de recours. Et nous avons créé justement à quelques-unes du MLF une ligue du droit des femmes où nous essayons de lutter contre toutes les formes du sexisme. Nous avons commencé par celle-là. Nous voudrions obtenir que la loi qui interdit toute discrimination de race mette également toute discrimination sur les sexes. Et nous voudrions obtenir cette non-discrimination, non seulement sur ce plan dont je viens de parler des injures, qui est important, quoi, que, plus qu'il ne s'en a l'air, parce que c'est toute une mentalité que ça amènera à réformer. Mais nous voudrions naturellement qu'il n'y ait plus aucune discrimination dans la manière d'élever les enfants, en tout cas à l'école, parce qu'on ne pourra jamais aller voir en effet de quelle manière une mère à la maison fait téter son fils ou sa fille. Bien, bonsoir. J'imagine qu'on aura l'occasion de peut-être de rebondir sur certains extraits que l'on vient de voir et qui permettent de resituer un petit peu le débat que l'on va avoir, la conversation qu'on va avoir ce soir dans une perspective historique relativement limitée, puisqu'au fond, on parle de choses qui ne sont pas si lointaines que ça, et qui en même temps peuvent paraître lointaines lorsqu'on voit au milieu des années 60 une femme imaginer qu'il puisse y avoir désormais que les femmes ont tous les mêmes droits juridiques. Un jour, une femme présidente de la République, c'est une parole qui prend, qui résonne aujourd'hui, puisqu'on peut mesurer tout ce qui reste à faire de ce point de vue-là encore. L'idée aujourd'hui, donc, dans cette séance qui s'inscrit dans ce cycle sur l'interrogation de la devise, c'est d'interroger évidemment le troisième terme de la devise, fraternité, mais on peut le faire de multiples manières, et je pense qu'on aura l'occasion de le faire avec la séance consacrée à l'égalité, puisque un certain nombre de gens sont assez mal à l'aise avec ce mot de fraternité et préféreraient par exemple le remplacer par solidarité. Je crois que c'est un peu la position de François Dubet, par exemple.
exemple, il interroge beaucoup ce terme de fraternité. Et donc, on l'interrogera aussi, effectivement, avec Patrick Veil et Pape Ndiaye sur d'autres aspects. Aujourd'hui, on va se focaliser, je dirais, sur, effectivement, le genre de ce mot fraternité et non pas sororité. Et faut-il, d'une certaine façon, rééquilibrer la devise en ajoutant un slash sororité et d'ailleurs dans quel ordre voilà, piège, problème bien connu de la langue française qui nous oblige à choisir le genre des mots. On a vu d'ailleurs que la députée en question était présentée comme le rapporteur de cette loi. Voilà, c'est le problème qu'on rencontre en permanence, mais là, qui tient quand même à cette question de la devise. Alors, pour en parler aujourd'hui ici, Réjeanne Sénac, qui est chercheuse en sciences politiques, chargée de recherche CNRS, dans un laboratoire qui s'appelle le CVPOF et qui travaille sur ces questions d'égalité homme-femme depuis longtemps, à qui l'on doit, je cite que les derniers travaux, un ouvrage qui est apparu au mois de mai dernier aux presses de Sciences Po qui s'appelle « L'égalité sous conditions ». Et puis Camille Froide-Vaumétry, qui elle est professeure de sciences politiques à l'université de Reims, Champagne-Ardenne, et qui travaille aussi sur ces questions d'égalité homme-femme notamment, qui avait publié il y a un an chez Gallimard La Révolution du féminin, qui était un essai sur les relations hommes-femmes également. Et puis je signale, puisque vous me l'aviez dit, j'ai en revanche oublié le titre, que vous avez aussi donné la forme d'un docu-fiction à une enquête que vous avez menée sur les femmes en politique, qu'on peut désormais voir en ligne. Vous aurez l'occasion de donner le nom et la référence du lien pour que vous puissiez y aller directement. Alors je vais peut-être vous proposer, Réjeanne, de commencer. Avant qu'on entre dans un dialogue entre vous deux, je vais peut-être vous donner l'occasion d'exposer un petit peu chacune vos thèses, votre regard au fond sur cette situation dans laquelle nous nous trouvons désormais dans la République, dans la Ve République, une situation qui a quand même évolué à différents moments. Donc là, on voyait bien cette loi de 1965 qui était importante. Et puis plus récemment, plus près de nous, il y a eu la réforme de la parité, qui est une réforme assez étonnante, d'ailleurs assez surprenante, parce que cette revendication a surgi. Ça, c'est le travail de Laure Bérény qui permet de le comprendre de façon un petit peu impromptue. En tous les cas, elle a remporté un succès assez rapide, si on compare à d'autres causes politiques qui mettent du temps à s'imposer. Et ça a été à la faveur d'un certain nombre de circonstances politiques, d'alliances, d'un travail politique. Bon, ça, c'est le vote de la loi. Après, il y a la question de ses effets, de son application et de la manière dont elle a pu ou non transformer le monde politique. On va parler de la politique professionnelle, mais moi j'aimerais qu'on élargisse un peu, parce que au fond la question de la devise et la question des rapports hommes-femmes dans la République, elle doit de fait dépasser très largement l'univers strictement politique et concerne les citoyens et les citoyennes dans leur vie sociale de manière générale, et même au-delà dans leur vie de personne, si j'ose dire. Alors Réjeanne, peut-être vous pouvez nous dire comment vous voyez les choses. Est-ce que vous entendez en particulier par cette expression que vous avez choisie comme titre de ce livre, l'égalité sous conditions? De quelles conditions vous parlez? De quoi s'agit-il? Alors, tout d'abord, merci pour cette invitation. Donc, très rapidement, moi, je vais repartir de cette devise, qui a une histoire tout à fait révélatrice, hein, des dilemmes au sein de nos principes politiques et républicains, puisque là, on est vraiment au cœur de trois principes qui se veulent des principes fondamentaux et fondateurs de notre unité politique. Et on voit, et Michel Borghetto, là-dessus, a fait un travail très intéressant, en particulier dans son Que sais-je, mais pas seulement, qu'il y a eu des péripéties, que cette devise, après la Révolution, a été au purgatoire et revenue, est devenue officielle en 1848, et qu'il y avait des débats sur est-ce qu'on met la fraternité en premier, est-ce qu'on la met en dernier, est-ce qu'on la met entre l'égalité et la liberté, est-ce qu'on préfère la solidarité, c'est un débat qui est ancien. Et vous savez que pendant la Révolution, c'était, en particulier avec Robespierre,
liberté, égalité, fraternité ou la mort. Hein. Donc il y avait vraiment quelque chose de vital dans ce qui faisait lien et sens politique. Par rapport aux travaux que je porte, moi ce qui m'intéresse c'est qui sont les non-frères et que fait-on avec les non-frères. Et l'égalité sous condition, elle s'applique aux non-frères, donc à ceux qu'on n'a pas inclus ou qui n'ont pas été inclus à la fois historiquement et théoriquement dans la fraternité républicaine, qu'on a d'abord exclu de la citoyenneté, donc citoyenneté civique, hein, droit de vote, on l'a vu, mais aussi citoyenneté civile, on l'a vu aussi avec 65, et le droit de contracter, de choisir une profession, maîtriser son rapport à ses biens et à son argent, en étant reconnu comme un être et comme un sujet autonome. Donc ce qui est vraiment tout à fait intéressant dans cette devise, à travers ce terme de fraternité, qui est perçu à la fois, qui peut être perçu comme le plus fragile, mais en même temps éminemment fondamental. Alors déjà, dans le fait de le mettre à la fin, c'est l'idée qu'il n'y a pas de fraternité substantielle, c'est-à-dire que, à la différence de l'héritage religieux en particulier, où on serait considéré comme frère au sens où on appartiendrait tous à la même famille religieuse, à la famille divine, on aurait tous le même père, le fait de le mettre en dernier participe de l'idée qu'il y a une construction politique à faire pour qu'au-delà de nos différences, de nos caractéristiques, nous soyons et nous considérions comme des frères. Et que c'est parce que nous arrivons à nous projeter comme des égaux libres que nous sommes des frères. Donc ça, je trouve que c'est vraiment tout à fait intéressant, cette idée de fiction juridique, politique, théorique de la fraternité. Cette fiction-là, et cet horizon régulateur hein, de la fraternité, du fait d'appartenir à la même famille, et sous la Révolution, l'idée d'appartenir à la même patrie ou à la même nation, et puis maintenant d'appartenir à la même République, hein, autour des valeurs de la République, même si la liberté, l'égalité, la fraternité sont plutôt des principes, hein, ce qui nous pose à un niveau plus élevé d'un point de vue normatif et théorique. Donc ce défi-là, on voit bien qu'il a été posé sous condition. Et en particulier, Jean-Jacques Rousseau, qui a joué un rôle important hein, dans les théoriciens du contrat, écrit la même année et publie la même année Le contrat social et l'Émile ou de l'éducation, où il nous explique, dans l'Émile, dans la dernière partie qu'il consacre à Sophie avec une pointe de cynisme en l'appelant Sophie, puisqu'il nous démontre qu'elles ne pourront jamais être sages, et surtout il nous explique pourquoi elles ne pourront jamais être des frères, les femmes. Parce qu'elles sont de l'ordre de la nature et non pas du politique et du culturel, puisqu'elles ne peuvent pas, elles n'ont pas la puissance, la capacité de se mettre à distance de leur instinct et de leur vocation naturelle. Donc cette exclusion de la fraternité, elle est théorisée à la fois sur un registre qui est un registre de scientificité, en montrant comment, de la même manière que pour les non-blancs, hein, les femmes, si elles ont cette incapacité, cette puissance d'être des animaux politiques, de faire partie de la famille des citoyens actifs, puisque ce sont des citoyens passifs. Elles doivent répondre à tous les devoirs et respecter toutes les lois de la République. Donc c'est parce qu'elles ont, alors on va classifier les poids des cerveaux, les tailles des crânes, et puis on va avoir toute une théorisation par aussi la soumission aux hormones, cette idée que les femmes ne sont pas des êtres autonomes. Donc c'est tout à fait intéressant, sans être dans un continuum, de voir un peu quand même les effets retours de cette histoire dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous continuons à être, puisque, comme le dit le titre de la séance, notre devise républicaine, c'est liberté, égalité, fraternité, c'est pas liberté, égalité, sororité. Si c'était liberté, égalité, sororité, ou quelqu'un qui proposerait cela, sans mettre slash, mettre vraiment sororité, serait perçu dans une logique de fantasme du renversement de domination, comme on a vu d'ailleurs dans la deuxième extrait, c'est-à-dire que voilà, c'est soit le pouvoir des hommes, hein, de la barbe, soit le pouvoir des jupons, mais on ne peut pas le penser au-delà de cette répartition binaire de guerre des sexes. Donc il y a eu très longtemps cette conception-là de soit c'est l'un qui domine, soit c'est l'autre, et pas dans une perspective où l'enjeu aurait été de faire famille politique, hein, de faire communauté politique,
au-delà de ces distinctions, que ce soit des distinctions sexuées ou racialisées. Donc, je trouve la première séquence très intéressante, hein, le moment où est interviewée cette avocate, et puis Louise Weiss et l'aviatrice, parce que, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Elles nous disent, en fait, que pour être à la hauteur des Lumières de notre République, il faut en faire le procès. Et elles mettent en particulier l'égalité au défi de sa cohérence, de la même manière que le faisait Condorcet quand il défendait le droit de vote des femmes, mais aussi quand il luttait contre l'esclavagisme et le racisme, en disant, en réalité, ceux qui sortent de l'humanité, on pourrait dire dans une lecture franco-française, ceux qui sortent de la fraternité républicaine, les femmes et les non-blancs, il dit pour des raisons de sexe, de race ou de religion, c'est en réalité eux-mêmes qui se sortent de l'humanité. Donc je trouve que c'est un passage très beau de Condorcet. Et de la même manière que ce que le disaient les femmes qui étaient interviewées, cette idée de dire, en fait, on ne demande rien d'autre qu'une cohérence de l'universalisme républicain. On ne demande pas à être traité comme différente, à avoir un privilège, on ne demande pas la sororité. On demande, si on doit prendre un autre terme, la delphité, qui est plus neutre et qui porte en fait cette idée, on le voit en botanique, de lien, hein, de ce qui fait du lien, mais qui n'a pas cette dimension sexuée qui a été vecteur de discrimination pendant des siècles et des siècles. Et pour finir là-dessus, l'égalité sous condition, qui a fait l'objet de cette publication, mais plus largement de mes recherches, c'est dire quoi ? C'est dire... Donc, ces groupes d'individus, hein, avec eux ou malgré eux, hein, qui ont été exclus de la fraternité républicaine, donc pour prendre Patman, Françoise Gaspard, John Scott, quand elle parle de non-frères, elle pense qu'aux femmes. Moi, je pense plus largement à tous ceux qui ont été exclus de la fraternité. Et il y a la justification aussi bien de la colonisation que de l'exclusion des femmes. Et d'ailleurs, c'est intéressant, on a beaucoup parlé de l'ordonnance de 1944 pour le droit de vote des femmes, mais ça correspond aussi à l'ordonnance qui a autorisé les musulmans à voter dans un second collège dans les colonies françaises. Donc, ce qui je trouve, est intéressant, c'est de voir qu'on est passé de l'exclusion à l'inclusion, mais sous condition, au sens où on a exclu les femmes et les non-blancs au nom d'une différence incompatible avec ce lien politique de la fraternité, hein, donc cette mise à distance par la raison. Et aujourd'hui, selon moi, on les exclut toujours sous condition de plus-value de leur différence. C'est-à-dire que la moins-value est devenue une plus-value, mais on n'a pas cassé le moule de la différenciation, de cette idée qu'il y avait des similaires et qu'il y a des singuliers, avec la peur d'ailleurs de l'indifférenciation. On n'a pas peur de l'indifférenciation quand on parle d'égalité entre hommes blancs. Je n'ai jamais vu des mouvements de foule ou des débats passionnés de peur que tous les hommes blancs se ressemblent. Ça va être terrible, on ne va plus pouvoir avoir d'amis, voilà, parce qu'on sera tous les mêmes, ça sera terrible. Par contre, ceux qui ont été, dont l'identité, l'identification politique a été construite à travers cette singularité-là, cette singularité qui fait sens politique, puisque... des différences et des différenciations, on est à l'entremêlement. Hein. Condorcet disait, mais pourquoi à ce compte-là, si on exclut les femmes du droit de vote parce qu'elles ont des indispositions passagères ou parce qu'elles sont plus faibles à un certain moment, ou qu'on les juge être le sexe faible, pourquoi est-ce qu'on n'exclut pas du droit de vote ceux qui ont la goutte, ceux qui sont malades, enfin les hommes, voilà. Donc, cette différence qui fait différence politique, différenciation, pour moi, le moule reste le même dans la mesure où on a toujours besoin de justifier leur inclusion au nom de l'apport de la mixité sexuée, de la mixité racialisée, voire de la mixité sociale, mais c'est moins important. Et on va avoir toute une rhétorique de « c'est bien de mettre en place les lois dites sur la parité ». Donc il faut voir qu'on a quand même été obligé de mettre en place des lois contraignantes, en particulier dans la composition des listes, puisque... à la fin des années 90, il n'y avait encore que 10% de femmes parlementaires en France. Vous êtes au courant qu'on n'a jamais eu en réalité de numéro 1 en France, en politique et très rarement dans le monde économique. Aucune entreprise du CAC 40 est dirigée par une femme. Nous n'avons jamais eu de père de la nation. Voilà. Nous n'avons jamais eu de femme à la tête de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Donc on voit bien qu'on est encore dans un modèle papa-maman, où les mamans ont aujourd'hui le droit d'être aussi dans la sphère publique, à condition de rester et d'assumer leur sphère privée, hein, puisque
trois quarts des tâches ménagères et domestiques sont encore assumées par les femmes, mais elles ont le droit, voire le devoir d'être dans la sphère publique, mais à condition de rester dans une logique qui est quand même avant tout, en tout cas le modèle dominant, hein, il y a bien sûr des exceptions, de complémentaire à cette idée que les femmes feraient de la politique autrement, qu'il y aurait du management au féminin, de la même manière que la diversité serait bonne pour le business. Donc on est vraiment sur un registre de complémentarité, de plus-value, beaucoup plus que sur un registre de reconnaissance comme père et de déconstruction de ces systèmes structurels de discrimination qui font justement que les femmes n'ont jamais été des hommes comme les autres en France, le neutre n'existant pas. Il a été éminemment excluant et exclusif en France. Merci. Merci beaucoup pour ces premières remarques et ce tour d'horizon, Régine Sénac. Je vous passe la parole, Camille Froide-Vaumétry, pour le même type d'exercice, histoire de lancer la conversation. Et voilà, dites-nous un petit peu comment vous voyez les choses et quelle recherche vous menez sur ces questions. Qu'est-ce qui vous conduit à parler de révolution féminine, par exemple, là encore, pour reprendre le titre de vos derniers livres? Merci bien, merci de votre invitation. Je vais réagir en partant des quelques images que nous avons vues et qui s'arrêtent, vous vous en souvenez, en 1974, c'est-à-dire au moment où la deuxième vague féministe se cristallise. Et vous avez remarqué tout à l'heure à quel point nous avions à la fois le sentiment d'une immense distance par rapport à cette période, et puis en même temps le sentiment de quelque chose qui est arrivé très rapidement. Et effectivement, c'est le sens que revêt dans mon travail cette notion de révolution. Voilà, ça fait 50 ans que la deuxième vague féministe a initié un bouleversement qui va, selon moi, bien au-delà de la simple égalisation des conditions féminines et masculines. Et on rappelle, le droit de vote des femmes, c'est 1944, donc c'est un peu plus de 70 ans à peine. Ça reste oui, mais le droit de vote des femmes ne s'est pas accompagné d'une mutation sur le plan sociologique. C'est-à-dire non, mais juste le droit. C'est-à-dire oui. Ce qui est déjà très peu, enfin c'est très peu de temps. Oui, c'est vrai. À l'aune de l'histoire de la République et puis même de la République en France oui, déjà. Bien sûr. Et alors, ce qui me frappe et la position que je développe, c'est d'une part une dimension un peu de fulgurance de ce mouvement d'émancipation des femmes et d'autre part la profondeur de cette dynamique. La révolution du féminin, c'est d'abord une révolution féministe, c'est-à-dire que les femmes qui, dans les années 70, théorisent un certain nombre de concepts pour montrer notamment que le privé est politique, c'est-à-dire que tant que les femmes demeurent subordonnées et mineures dans la sphère privée, elles ne seront pas les égales des hommes, ces théoriciennes du féminisme de la deuxième vague vont enclencher une dynamique que je considère comme irrésistible, qui va non seulement mettre fin à la division séculaire des ordres d'existence, une sphère privée féminine, une sphère publique masculine, et qui va réordonner complètement le monde dans lequel nous vivons. On évoquait tout à l'heure Rousseau, et c'est vrai que si on revisite l'histoire de la modernité démocratique à travers le prisme du féminin, le grand tournant moderne, c'est évidemment pas les philosophes contractualistes et libéraux qui tous, sans exception, vont se réapproprier le schéma traditionnel, patriarcal, et même vont lui trouver des justifications nouvelles, modernes. Chez Rousseau, c'est très clair, hein, la famille patriarcale et l'enfermement des femmes au foyer est la condition d'existence d'une société libre et démocratique. Le grand tournant moderne, du point de vue des femmes, c'est la deuxième vague féministe sur laquelle on s'arrêtait avec ces quelques extraits. Les femmes vont en fait théoriser quelque chose qu'elles vivent, à savoir qu'elles sont qu'elles ont investi massivement la sphère sociale, et elles vont mettre un terme donc à cette partition hiérarchisée du monde et fonder un nouvel ordre avec non plus deux pôles hiérarchisés, mais trois ordres d'existence, le public politique, donc la sphère de la vie politique et citoyenne, le privé social qui est la sphère du travail et de la vie dans la société civile, et puis la sphère que j'appelle de l'intime affectif, la sphère de la vie affective, amoureuse, sexuelle, conjugale et familiale. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne prend pas toujours la mesure de l'immense bouleversement introduit par cette deuxième vague féministe qui a proprement rebattu les cartes et qui est à l'origine du monde totalement inédit dans lequel nous vivons aujourd'hui. Parce que ces trois ordres d'existence, il se trouve que les femmes et les hommes y sont tous autant légitimes, c'est-à-dire qu'ils peuvent y développer les mêmes aspirations. Ça se traduit concrètement par un mouvement
là encore irrésistible, de féminisation de la sphère sociale et politique, et par un mouvement parallèle, peut-être moins évident à mettre en lumière, de masculinisation de l'intime. Ce que je veux dire par là, c'est que les conditions féminines et masculines ont été modifiées en profondeur et dans un même élan, dans le sens de l'avènement de ce que j'appelle une forme de dualité existentielle. C'est-à-dire que pendant des siècles, les femmes n'ont été que privées, que domestiques, enfermées dans leur nature d'être procréateurs. Avec la révolution féministe, elles ont accédé au statut social public et elles ont, et c'est ça le point important, surimposer ce nouveau statut social à leur ancienne condition, c'est-à-dire que les femmes n'ont pas claqué la porte de leur maison, comme Réjeanne Sénac l'a remarqué, elles continuent d'y être impliquées, parfois dans des proportions, enfin la plupart du temps dans des proportions énormes, et donc elles ont eu à expérimenter en pionnière une nouvelle condition qui consiste à assumer de front une existence privée intime et une existence sociale publique. Et ce qui est frappant, je crois, c'est ce que je montre dans la révolution du féminin, c'est que cette nouvelle condition duale, il se trouve qu'elle est désormais partagée aussi par les hommes, et que d'une certaine façon, les hommes ont à apprendre désormais des femmes quelle est la condition inédite qu'ils doivent éprouver. C'est-à-dire que pour les jeunes générations, parce que là c'est très important d'introduire quelques nuances générationnelles, pour un jeune homme aujourd'hui, la part intime de son existence est tout aussi importante que la part sociale, et on voit bien à quel point des exigences comme une meilleure conciliation des temps professionnels et privés font partie des revendications des jeunes hommes, si bien que, bon an, mal an, lentement, mais je crois très sûrement, nous nous dirigeons vers l'avènement d'une condition humaine générique. C'est un processus que je qualifie de convergence des genres, c'est-à-dire que c'est que d'être une femme et de se vivre dans le monde comme une femme, et ce que c'est que d'être un homme et de vivre dans le monde comme un homme, sont en train de se rapprocher pour finalement se rejoindre. Alors là, je me situe sur le plan des principes, bien évidemment, mais ce qui est important, dans ma perspective, qui est une perspective davantage d'histoire des idées, de philosophie, plutôt que de sociologie, c'est de repérer la tendance et le mouvement où nous allons. Et je crois que, alors, c'est pas de l'optimisme béat, je crois que c'est quelque chose qui a à voir avec la force d'imposition des droits de l'homme et de ces fameux principes dont nous parlons. Je crois que l'égalité entre les sexes a le même caractère implacable, en quelque sorte, que l'égalité et la liberté. Ça n'empêche pas une multitude d'indicateurs sociologiques et statistiques qui vont à l'encontre du constat de l'égalisation des conditions féminines et masculines. Mais une fois encore, on l'observe chaque jour, les bastions masculins tombent les uns après les autres, les femmes revendiquent quasiment toutes les fonctions, enfin pas quasiment, toutes les fonctions et tous les statuts qui, pendant des siècles, ont été exclusivement masculins. Et on apprend chaque jour une bonne nouvelle, comme celle que je lisais dans le journal en venant, que Claude Bartolone a décidé de nommer Corinne Lesquien comme candidate au Conseil constitutionnel, avec une large unanimité à l'Assemblée nationale. Cette femme a été la première secrétaire générale de l'Assemblée nationale. Elle va rejoindre les trois femmes pour porter à 4 sur 10 le nombre de femmes au Conseil constitutionnel. C'est une bonne nouvelle, et de ces bonnes nouvelles-là, nous en apprenons chaque jour davantage. Alors, Réjeanne Sénac, si je comprends bien, au fond, vous partagez peut-être l'une et l'autre une sorte d'horizon, d'une certaine façon, de dépassement de cette différence des sexes. La manière dont vient de le formuler Camille Froidevaux-Maîtrise, c'est, vous m'arrêtez si je me trompe, si je vous ai mal comprise, mais une forme finalement d'hybridation progressive, d'apprentissage réciproque et vers l'accès universel à tout, à toutes les fonctions, à tous les rôles ouverts. Alors, c'est pas encore, on a compris, le cas, et ça c'est un problème qu'on retrouve dans tous les débats ici qui nous intéressent par rapport à la devise, c'est-à-dire l'écart énorme entre les principes inscrits dans une devise ou dans une constitution, et puis la réalité de l'application de ces principes qui est loin d'être parfaite, c'est le moins qu'on puisse dire, et l'écart est énorme. Mais disons qu'il y a cette horizon d'hybridation. Là où vous, Réjeanne Sénac, mais vous allez peut-être préciser l'une et l'autre vos pensées, vous estimez qu'en fait, ce qui, d'un point de vue normatif, cette fois, serait souhaitable, c'est que on arrive à dépasser, à atteindre cet objectif
en annihilant en quelque sorte ce qu'il y aurait de spécifiquement féminin ou de spécifiquement masculin dans les personnes en question, en ne prenant pas en compte finalement, en étant, je sais pas comment je vais dire ça, genre blind ou sex blind, comme on dit color blind à propos du racisme vis-à-vis de ces questions. C'est un peu comme ça qu'on peut dire les choses. Alors, en tout cas, pour moi, on ne peut pas faire comme si cette construction des sphères, hein, cette répartition binaire qu'on peut voir de manière trinaire, mais cette logique du privé qui était de l'ordre, du respect, de l'ordre naturel, la hiérarchie naturelle, et du public qui était de l'ordre de la démocratisation, puisque le privé est politique, c'était dire aussi que il fallait que dans la sphère privée aussi, les règles démocratiques soient appliquées. Donc, c'était à la fois dire que ceux qui étaient vécus, c'est dans les deux sens. Voilà, ceux qui étaient vécus dans le privé avaient des répercussions dans le public. Mais l'idée aussi, c'est que la notion de chef de famille, on le voit un peu dans le débat, mais elle est enlevée en 70. On voit qu'on a encore du mal à s'en défaire, hein, puisqu'on se trimballe encore cette expression. Mais ça voulait dire quoi ? Ça veut dire que le père était le roi sur ces sujets qui étaient ses enfants et sa femme, et son épouse, si elle en avait. Donc on a eu toute une structuration de notre société, de ce que l'on jugeait légitime pour la place de chaque individu à la fois dans la sphère privée, dans la sphère publique, dans l'articulation entre les deux, qui a été construite de manière éminemment théorique, juridique, profonde, historiquement, avec cette idée que la différenciation sexuée avait du sens politique. En effet, moi, ce que je pense réellement cohérent, si on va jusqu'au bout du procès qu'on doit faire aux Lumières pour que les Lumières n'éclairent pas que la partie dominante de la population, c'est de dire qu'est-ce qui justifie que cette différence-là, ou cet entremêlement de différences, la différence sexuée alliée à d'autres types de différences, et le fait que la nature est un peu plus complexe que la binarité d'ailleurs, hein, y a un petit tabou sur l'intersexe, le fait qu'il y a des naissances intersexes, hein, mais il y en a quand même de manière pas anodine dans la population française, avec 5 opérations par jour en France pour revenir sur cette binarité-là. Et puis des recherches, je pense au grand livre de Anne Fausto-Sterling, voilà, traduit récemment, ouais, en France, ouais, qui sont pas très connus encore du grand public, ouais, mais qui interrogent cette question. Un ouvrage publié à la Découverte sur qu'est-ce que le corps sexué, où il y a un dialogue entre les sciences dites dures et les sciences humaines et sociales, pour montrer que si on s'en tient à une lecture par les sciences dites dures, aussi bien en termes de rapport aux hormones, aux organes génitaux, aux chromosomes, voilà, c'est pas aussi clair que la binarité qu'on en fait socialement. Donc, moi, en tout cas, en termes d'horizon, ce qui me semble intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui justifie, et d'après moi, c'est avant tout le sexisme qui le justifie, et donc pas une justification ni naturelle, ni scientifique, mais une justification éminemment idéologique, que cette identification-là ait une répercussion et du sens politique sur tout notre positionnement dans la société. Et là-dessus, on voit que par rapport à des travaux comme ceux d'Amartya Sen sur la capacité ou ceux de Philippe Pettit sur la liberté de non-domination, pour parler plus en termes de philosophie politique, ou sur les travaux de Fraser, Nancy Fraser, qui sont passionnants, on est sur cette idée de, pour arriver pas seulement à avoir une redistribution des places, puisqu'en effet, nous sommes aujourd'hui dans une redistribution des places, qui a ses limites, hein, puisqu'on est encore dans une logique de plafond de verre où c'est les hommes qui nomment des femmes. Hein. Je veux dire, les bonnes nouvelles, c'est les hommes qui nomment des femmes. Bon, on est quand même, on n'est pas à égalité. Et ils ne les nomment pas comme numéro 1, puisque voilà, c'est eux les numéro 1 qui nomment les numéro 2 au maximum. Donc, comment on peut arriver à un horizon de liberté de non-domination où le fait d'être de telle ou telle identité ou identification sexuée n'aurait pas de répercussion, n'aurait pas de sens, pas plus que le fait, comme disait Stuart Mill, d'avoir les cheveux de telle ou telle couleur, ou pour reprendre Brecht, d'avoir la tête de telle ou telle forme. Pourquoi est-ce que ça aurait plus d'implications que tout ce qui fait que l'on est des individus singuliers ? C'est-à-dire notre singularité individuelle, c'est l'entrecroisement de tout ce que nous sommes, de par notre histoire personnelle, nos origines sociales, ethnoculturelles, notre âge, notre apparence, tout ce qui fait que nous sommes par définition des êtres singuliers. Pour moi, la singularité, elle est individuelle.
Nous en faisons des singularités de groupe, qui sont avant tout des identifications à la singularité et qui sont, dans ce sens-là pour moi, incompatibles avec une réelle autonomie, une réelle égalité. Donc c'est vrai que je perçois vraiment l'horizon comme une déconstruction, non pas de la singularité propre à chaque individu, mais de ces singularités de groupe qui, moi, quand on parle de féminin et de masculin, je me pose la question de c'est quoi le féminin, c'est quoi le masculin. De la même manière, j'entends bien l'horizon régulateur de la convergence, mais, et vous l'avez dit vous-même, la réalité n'est pas celle de la convergence. Et même quand on regarde l'enquête emploi du temps de l'INSEE, même parmi les jeunes générations, on voit bien qu'on a une répartition des tâches ménagères et domestiques encore très sexuée. En ce qui concerne le taux d'activité des femmes, on se dit placé en tête pour les pays européens, mais quand on regarde avec 3 enfants, dont un de moins de 3 ans, on tombe à 41%. Donc à la fois pour des raisons de normes, de ce que l'on juge légitime, mais aussi pour les conditions de possibilité de l'égalité, parce qu'on n'a pas de mode de garde. Donc pour moi, c'est une question à la fois éminemment théorique, mais aussi éminemment pratique de ce que l'on rend possible pour penser cette déconstruction, qui est une déconstruction dérangeante, complexe. Moi, je pense qu'on a un surmoi très égalitaire sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, mais notre ça est éminemment inégalitaire. Et que le moi essaye de faire un peu le bricolage entre les deux, mais tant qu'on n'aura pas fait ce travail de déconstruction critique de notre héritage, de la même manière d'ailleurs que pour notre héritage racialisé et raciste, on ne pourra pas réellement porter de l'égalité, on redistribuera les places, mais tout en reconnaissant, en étant dans une reconnaissance qui est encore dans des assignations de complémentarité, et donc pas une égalité qui soit une réelle autonomie individuelle. Juste pour être bien sûr, avant de passer la parole à Camille Foy-Vaumétry, pour prendre un autre exemple de ce que vous dites et de cette finalement de l'importance accordée à cet aspect de l'identité singulière de chacun, le fait d'être un homme ou d'être une femme, on pourrait remarquer que, au fond, alors même qu'il y a d'autres types d'inégalités qui traversent, mettons, la représentation nationale, par exemple des inégalités d'âge, aujourd'hui, les députés ont une moyenne d'âge très très élevée, je cite ce chiffre parce que je l'ai toujours retenu, en 1981, à l'époque où beaucoup de députés socialistes arrivent au pouvoir, le groupe socialiste a 40 ans de moyenne d'âge et en 20 ans plus tard, ils ont 20 ans de moyenne d'âge de plus. Donc parce que c'est les mêmes. Donc en revanche, cette inégalité-là, elle n'est pas tellement... parfois on entend des discours en disant qu'il faudrait que les jeunes soient plus représentés, mais on ne peut pas dire qu'elle soit tellement constituée socialement comme un combat qu'il s'agirait de mener pour rétablir une forme d'égalité. Or, ça pourrait fonctionner de la même façon, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir le même type de discours au nom de la complémentarité, du fait qu'un pays serait bien représenté si tous les âges étaient représentés, de la même façon que tous les sexes doivent l'être, etc. Pour vous, ça fonctionne exactement de la même manière. On peut prendre une variable ou l'autre. C'est le même raisonnement théorique, en fait. Alors, il y a deux choses. D'une part, on a bien vu d'ailleurs avec le phénomène de la parité qui a existé en France parce qu'il y a eu des fenêtres d'opportunité internationales, européennes, et puis bien sûr des mobilisations. Hein, et vous avez raison de parler des féministes et des mouvements féministes. Et on a vu que quand on a regardé en effet les représentants politiques, on a non seulement vu que c'était des hommes, mais on a aussi vu, puisqu'on on a dépassé cette espèce de récit mythique de la neutralité universaliste, on a vu que c'était non seulement des hommes, mais des hommes d'une certaine couleur, d'une certaine classe sociale, d'un certain âge. Donc ça a mis une brèche sur cette neutralité républicaine. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça ouvre plus largement à l'intersection des discriminations, à toute forme d'endogamie ou de confiscation du pouvoir. Par contre, je pense qu'il y a quand même une différence entre le sexisme et le racisme et les autres formes d'inégalité, puisque le point commun, et c'est pas pour rien que ce terme de sexisme, comme le rappelait Simone de Beauvoir, a été forgé en analogie avec celui de racisme, le point commun, c'est vraiment la légitimation de la domination et des inégalités au nom de l'infériorité naturelle.
hein, et de la démonstration prétendument scientifique, en réalité éminemment idéologique, de l'infériorité des Noirs par rapport aux Blancs. Donc là, on voit aussi que la dichotomie est tout à fait une fiction politique et scientifique, ou une supériorité des hommes sur les femmes. Donc là, il y a pour moi à la fois une brèche qui nous amène à voir tout le reste, et en même temps une spécificité à la fois du sexisme et du racisme, avec, et Habermas le disait en particulier dans son avant-propos à l'espace public, hein, il a été critiqué pour ne pas avoir intégré cet élément-là, il disait qu'il y a quand même une spécificité à l'inégalité femmes-hommes, c'est que les hommes, ils sont légitimement dominants dans toutes les sphères. Et que même un ouvrier, même un jeune ouvrier racialisé, va être légitimement le dominant dans la sphère privée, même s'il est légitimement dominé dans la sphère publique. Donc voilà, ça questionne à la fois les points communs, les brèches communes, mais aussi une forme de spécificité. Kaby Fouad-Vaumetri, pour prolonger votre analyse, je pensais à une chose sur l'aspect inéluctable de ce que vous décriviez tout à l'heure comme évolution. Il y a une chose, moi, qui m'a toujours frappé et qu'on entend assez peu souvent mentionner parmi les évolutions marquantes du rapport entre les hommes et les femmes dans la société française, et qui n'a rien à voir avec des droits citoyens ou civiques. C'est tout simplement, j'y pense parce que je fais partie d'une génération qui s'est trouvée à la charnière. Je pense que j'ai 50 ans, je fais partie des gens qui ont pour les premiers été dans une situation de mixité scolaire totale. Et des gens un tout petit peu plus âgés que moi sont encore allés à l'école où il n'y avait que des garçons ou que des filles. Et je crois que le fait d'avoir une socialisation scolaire mixte a fini par produire des effets. Je pense vraiment que arrivé à l'âge adulte, les relations hommes-femmes ne sont pas les mêmes si l'on a suivi une scolarité mixte ou pas, et que ça, ce sont des effets très très forts au fond sur les personnes qui peuvent largement aussi forts que un certain nombre de règles, de règlements et Je cite juste cet exemple, ça m'avait frappé au moment on est au Forum des Images en plus, d'une pétition de soutien initiée par des intellectuels prenant la défense de Roman Polanski. C'était très clivant en termes d'âge. Se retrouvaient signataires des gens qui n'avaient pas été dans des écoles mixtes. Moi, je l'interprétais comme ça, en tout cas. Oui, vous avez raison de souligner l'importance de la socialisation, mais derrière cette caractéristique, il y a une évolution, une mutation qu'il faut prendre en considération et qui explique que nous en sommes là aujourd'hui, c'est-à-dire dans cette situation de convergence des genres. C'est que pendant des siècles, la famille a joué un rôle social important. C'était une institution au sens fort du terme, puisque la famille avait pour rôle de former, d'élever les futurs êtres pour la société. Et dans cette conception, le père de famille jouait, quelque sorte, le rôle équivalent d'une forme de magistrat public. La révolution féministe, qui s'accompagne d'une révolution à la fois scientifique et juridique sur le terrain de la maîtrise de la procréation, a produit un immense bouleversement qui a vu la famille cesser en quelque sorte de remplir cette fonction sociale et se privatiser complètement. C'est pour ça que je la qualifie même d'intime, parce que c'est un ordre d'existence qui s'est extrait de la vie commune pour ne plus concerner que la vie intime des individus. Et dans cette famille privatisée, eh bien, les hommes ne peuvent plus prétendre à ce rôle de magistrat. Ils deviennent de simples associés des femmes sous la forme d'un contrat qui peut toujours être dénoué. Et ce qui se joue là est crucial, parce que le patriarcat s'enracinait très profondément dans ce socle familial comme le premier modèle d'une structuration patriarcale hiérarchisée. Quand la famille perd son rôle social et qu'elle devient en quelque sorte l'affaire de chacun au niveau individuel, une affaire de relations libres et volontaires, eh bien, les hommes perdent, comme le remarquait avec manifestement un peu de souffrance le commentateur, le journaliste qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, il se joue quelque chose, du coup, qui résonne dans la sphère sociale tout entière. C'est pour ça que parler de chef de famille
comme une notion qui fait encore sens aujourd'hui, moi, ça me paraît un petit peu excessif, parce que je crois que nous ne pouvons pas dire que nous sommes encore dans des sociétés patriarcales. On peut repérer un certain nombre, très nombreux d'ailleurs, d'éléments qui font signe vers une prégnance, une forme de domination masculine, d'inégalité et de discrimination. Mais ce qui se joue, une fois encore, c'est le rapprochement, l'égalisation des conditions féminines et masculines, parce que d'abord égalisées dans la sphère familiale. Et ce qu'on observe sur le terrain de la parentalité et de la conjugalité aujourd'hui, c'est une ouverture des possibles immense, c'est-à-dire qu'un individu peut former couple ou pas, avoir des enfants dans un cadre d'un mariage, d'un pax ou peu importe. La conjugalité, mais surtout la parentalité, est en plein bouleversement. Je veux dire par là que les femmes ne sont plus seules responsables, pour dire les choses rapidement, du renouvellement des générations. Les avancées juridiques, sociologiques, et puis aussi celles qui concernent l'évolution des mœurs, nous signalent qu'aujourd'hui, un enfant ne naît pas d'une mère, il naît du désir d'une ou de deux personnes, qui sont d'ailleurs pas nécessairement génitrices, voire de deux ou de trois, voire de quatre même, dans le cadre, par exemple, des projets parentaux de couples homosexuels croisés. Bref, il y a une forme, on va dire, de déféminisation de la procréation, qui est un bouleversement anthropologique, mais gigantesque, puisque il signale que, d'une certaine façon, les femmes se sont affranchies, une bonne fois pour toutes, de leur nature procréatrice. Et l'ultime libération, je crois, c'est ce qu'on peut observer aujourd'hui, la revendication, pas toujours facile à assumer, mais de plus en plus, que portent certaines jeunes femmes du non-désir d'enfant et de la non-maternité. C'est l'ultime libération quand une femme peut se rêver un avenir sans enfant, quand une femme peut assumer de vivre dans le monde en étant non-mère, en étant que un individu abstrait, un individu de droit, et puis un sujet concret sexué, mais sans cette dimension maternelle. C'est pour ça qu'il me semble possible désormais de tenir ensemble ce qui a longtemps été séparé dans l'histoire du féminisme, à savoir la défense de l'égalité entre les sexes sur une base universaliste. Les femmes et les hommes, enfin les femmes sont des hommes comme les autres, les individus de droit n'ont pas de sexe. Et puis un féminisme différentialiste qui défendait la cause des femmes, mais en exaltant en quelque sorte leurs différences et notamment leur spécificité maternelle. Je crois que cette opposition ne fait plus sens aujourd'hui parce que tous les individus, qu'ils soient femmes ou hommes, articulent ces deux dimensions. C'est-à-dire que nous sommes tous des individus de droit abstraits, pleinement légitimes dans tous les ordres d'existence, et des sujets concrets, sexués, singuliers. J'aime beaucoup aussi ce mot de singularité et cet adjectif singulier, sauf que sans doute je n'y mets pas tout à fait la même chose que Réjeanne Sénac, parce que je crois que nous avons à réfléchir la singularité sexuée dans le monde où nous sommes, qui est un monde précisément où, en quelque sorte, nous vivons une sorte de désexualisation des fonctions sociales et des rôles familiaux. Parce que il n'en demeure pas moins que nous nous présentons face aux autres, dans un corps féminin ou masculin, pour certains dans un corps neutre, et puis il y a le cas minoritaire, mais qui existe bel et bien, effectivement, des personnes intersexuées ou transsexuelles, voilà, les minorités genrées, dont on sait qu'elles donnent lieu aujourd'hui à bien des réflexions et des combats. Mais néanmoins, il y a en quelque sorte, comment pourrait-on dire, une forme d'existence standard, c'est-à-dire que l'immense majorité des individus vivent, s'éprouvent comme des sujets incarnés et sexués. Et ce que je reproche parfois à un certain féminisme, c'est d'avoir négligé en quelque sorte cette sexuation de nos existences. Alors, il y a eu l'étape de la deuxième vague qui était une étape absolument nécessaire. Il fallait bel et bien s'affranchir de cette sexuation parce qu'elle était indissociable d'une forme de naturalisation et d'enfermement des femmes dans leur nature. Avec la maîtrise de la procréation, la sexuation en quelque sorte change de sens puisque le fait pour une femme d'être un être procréateur n'est plus un destin. La maternité est une simple potentialité qu'une femme peut éventuellement refuser. Mais il n'en reste pas moins que l'expérience concrète des femmes est une expérience sexuée. Et le fait de réintroduire dans une réflexion féministe un souci pour la corporéité, qu'elle soit féminine ou masculine, fait sens à mon avis parce que ça permet notamment dans certains combats féministes de prendre les choses par un autre côté. Et je prends un seul exemple qui est celui de la conciliation des temps que j'évoquais déjà tout à l'heure. On fait aujourd'hui, à peu près comme si la difficulté qu'éprouvent les femmes à articuler leur vie professionnelle et leur vie privée, en quelque sorte, ne leur incombait qu'à elles seules. Et on réfléchit à des dispositifs leur permettant à elles et à elles seules, voilà, d'articuler le mieux possible ces deux dimensions. Et ce faisant, on oublie complètement que
assez généralement, les femmes qui ont des enfants les ont fait avec des hommes, et que ces hommes sont concernés également par la parentalité. Et que donc la question de la conciliation des temps, elle est aussi masculine que féminine aujourd'hui. Donc quand on fait cet effort, en quelque sorte, de réintroduire dans la réflexion féministe la sexuation, on peut aussi renouveler un peu un certain nombre de réflexions sur des thèmes qu'on avait un peu enfermés dans le féminin, en quelque sorte. Juste, en vous entendant, je me faisais la réflexion suivante. Je me disais, mais au fond, je vois bien ce que vous voulez dire quand vous dites qu'à l'intérieur des familles, l'égalité a progressé. Aujourd'hui, ces singularités peuvent trouver à s'exprimer, à prendre leur place et à être dans des combinaisons de rôles très, très divers. Néanmoins, et ce n'est pas forcément contradictoire, il y a quand même peut-être un paradoxe à noter que dans le fait que finalement, c'est probablement aussi dans cet espace domestique que l'on trouverait les manifestations les plus sévères, les plus violentes de domination masculine à l'œuvre. Beaucoup plus que dans l'espace public où elles sont quand même encadrées sous les projecteurs des médias. Donc est-ce que vous n'avez pas une vision un petit peu idéalisée de ce qui peut se passer en termes d'égalité à l'intérieur de cette sphère intime? Je comprends bien le sens de la dynamique que vous pointez. Mais... Alors, les violences faites aux femmes sont des violences... malheureusement, autant privé que public. Je ne parlais pas forcément que de violences physiques, je parlais aussi de situations de domination plus symboliques, ou tout simplement de choses très très banales qui renvoient aux tâches ménagères dont on parlait tout à l'heure. Oui. La gamme est très étendue des manifestations de cette domination masculine dans ce que j'entends par là. Hein. Ce n'est pas uniquement... Ce qui me semble important, c'est de repérer que quand on leur en donne la possibilité, les jeunes hommes d'aujourd'hui... adhère pleinement, sans réserve, à cet idéal d'égalité intraconjugale. Un seul exemple, la question des congés de paternité, dont on dit souvent... Alors, il y a les congés de maternité où on propose aux individus devenant parents de s'arrêter de travailler, dont on sait que c'est ultra majoritairement des femmes qui les prennent. Mais là, je parle des congés paternité et maternité au moment de la naissance des enfants. En France, les hommes bénéficient de 11 petits jours. Tout récemment, le Québec a réformé son système en instaurant un congé de paternité de 7 semaines non partagées. C'est-à-dire que les pères qui ne les prennent pas, ces semaines, elles sont perdues, elles ne sont pas partagées avec les femmes, avec un dédommagement à hauteur de 70% de leur salaire. Eh bien, on s'est aperçu que très massivement, alors même qu'auparavant, effectivement, on observait un gros décalage en termes de congés, les jeunes pères québécois, ou moins jeunes, prenaient ces congés et même qu'ils les additionnaient à... parce qu'il y a aussi un système de semaines partagées, si bien qu'aujourd'hui, le congé de paternité approche les 13 semaines au Québec. Donc, on sait que quand on prend des politiques qui permettent aux hommes de mettre en œuvre une égalité intraconjugale ou intrafamiliale réelle, on rencontre un assentiment assez massif. Donc, je ne veux pas idéaliser, mais j'observe aussi sociologiquement qu'il y a une forme de mouvement... assez marqué, assez irrésistible, une fois encore. Régine Sénac, comment vous pensez cette articulation entre le public et le privé et l'évolution de ces relations hommes-femmes? Alors, tout d'abord, le Québec n'est pas la France. et sur ce point-là, on voit bien que si on analyse l'application de réformes récentes en France, hein, que ce soit le fait d'avoir le droit de transmettre à ses enfants non seulement le nom du père, hein, quand je parlais de la persistance de cette notion de chef de famille, on voit quand même... qu'on est dans des recompositions hein, de cette hiérarchisation, aussi bien parce que, comme nous le savons tous, les enquêtes sont faites en fonction de la profession du chef de famille, même si ce terme ne doit plus exister depuis les années 70, que très longtemps, les enfants ont dû demander la profession du chef de famille, qu'encore aujourd'hui, il n'y a que 7% des enfants qui portent autre chose que le nom de leur père, même si la loi permet, et en particulier parmi les nouvelles générations, de transmettre un double nom ou le nom, pourquoi pas, de la mère. Donc on est quand même dans une recomposition toujours de cette persistance-là, même s'il y a des choses qui évoluent, et je ne veux pas non plus moi être que du côté négatif.
Avec quand même une forme de spécificité française. Je suis d'accord, on peut voir, et là on est sur le lien entre loi et mœurs, c'est comment les lois peuvent faire bousculer hein, un peu cette boîte noire des mentalités et ces héritages hein, de la norme, en particulier dans ce que doit être un homme et de ce que doit être une femme. En effet, les congés obligatoirement partagés, c'est-à-dire le fait qu'ils soient perdus s'ils ne sont pas pris par l'autre conjoint, qui ont été expérimentés, qui ont été mis en place dans les pays nordiques aussi. Donc ça fait partie hein, de la loi dite égalité réelle de 2014, qui a été aussi à un moment symbolique. Hein. Il parlait du 14 juillet pour la loi de 65, là c'était le 4 août, hein, la nuit de la remise en cause des privilèges. Et donc on voit que le problème, c'est que pour que ce soit efficace, ce type de modification législative, il faut que les conditions réellement matérielles soient réunies. Et en particulier, comme ça se fait au Québec ou dans les pays nordiques, il faut que ce soit un pourcentage du salaire. Parce que sinon, ce n'est absolument pas rationnel pour des pères qui, en moyenne, gagnent 25% de plus que les mères. Donc il y a un calcul rationnel hein, de savoir qui va prendre les congés. Donc on est là sur une somme en fait assez faible. Donc on va avoir des femmes qui sortent du marché de l'emploi en grande majorité quand elles font un arbitrage financier du fait que ça leur coûte plus cher de faire garder leurs enfants de moins de 3 ans plutôt que donc de les garder à domicile. Donc là on voit, je suis tout à fait d'accord avec le fait que les lois peuvent faire évoluer les mœurs, mais à condition que ce soit des lois qui s'adressent à toutes et à tous, et en particulier aux hommes qui gagnent en moyenne encore beaucoup plus que les femmes, à la fois parce que les femmes sont plus à temps partiel, mais parce qu'aussi, à travail égal, elles sont encore payées un peu plus de 10% de moins que les hommes. Donc moi, je bien sûr que je vois une tendance, et quand on regarde l'histoire longue, on voit très bien la tendance, en particulier, et Camille Froidevaux-Métairie a tout à fait raison de le dire, suite donc à l'après-guerre, et en particulier aux années 70, hein. Et en même temps, et moi c'est plutôt ça en tant que politiste que j'analyse, on voit aussi des formes de recomposition, on voit des résistances, on voit des dissensus. Moi je ne suis absolument pas persuadée qu'on entende toutes et tous la même chose par égalité en général et égalité femmes-hommes en particulier. Et on l'a très bien vu autour de l'ouverture du mariage civil aux couples de personnes du même sexe, autour des débats sur la rénovation de l'école et en particulier les ABCD de l'égalité, où il y avait très clairement une revendication d'un attachement à cet héritage historique d'une république fraternelle où la norme est celle de la complémentarité des missions entre la mère et le père et non pas une indifférenciation des vocations et des missions. Moi je pense que ce dissensus-là, il n'a malheureusement pas été l'occasion d'un véritable débat sur qu'est-ce que ça voulait dire qu'au XXIe siècle, encore en France, on ait ce type de débat, ou que l'on revendique dans des affiches de la Manif pour tous en 2013, « Touche pas à nos stéréotypes de sexe ». Est-ce qu'on penserait pensable de défiler avec, et heureusement que non, hein, « Touche pas à mes stéréotypes de race ». Donc le fait qu'on puisse encore, en nombre non négligeable, défiler en France, prendre des positions qui revendiquent non pas l'égalité mais la complémentarité est pour moi révélateur de ce qui serait absolument pas faisable au Québec par exemple d'une persistance de cet héritage de la fraternité. Camille Froidevaux-Métairie, sur cet aspect des choses. Oui, je suis contente que vous fassiez le lien entre la manif pour tous et ce terme de complémentarité parce que c'est effectivement la notion pivot de tous ceux qui résistent vent debout contre tous les dispositifs relatifs à l'égalité entre les sexes. Alors vous dites que leur proportion n'est pas négligeable, c'est vrai, mais pour moi, ils traduisent quelque chose comme un mouvement de panique en quelque sorte. C'est-à-dire que ce sont des gens qui prennent conscience que nous sommes bel et bien en train de changer de monde et que le schéma traditionnel auquel ils sont encore attachés... C'est une sorte de dernier soubresaut de panique morale, je crois, par rapport à un changement sur le quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, je crois qu'en termes de... S'il y avait le moyen de mesurer électoralement le poids de cette position, je ne pense pas qu'on irait très au-delà de 10% de la population française, parce que tout simplement, on sait les identifier sociologiquement. Ils sont assez bruyants et visibles.
Oui, ils sont bruyants visibles parce qu'effectivement, ils ont une cause assez virulente elle-même, et puis parce qu'ils sont dans une forme aussi, de, je le disais, de panique, c'est-à-dire qu'il y a une forme de radicalisation qui s'explique par le vertige qui les saisit face aux évolutions que nous sommes en train de vivre. Alors, peut-être avant de ouvrir la discussion, moi, j'ai une autre question. Vous disiez tout à l'heure, aussi pour illustrer le fait qu'on va vers ce progrès, appelons-le comme ça, vous expliquiez que dorénavant, l'injonction pour les femmes d'avoir des enfants n'était plus du tout la même, qu'elle avait faibli, qu'il était possible pour des femmes de décider de ne pas avoir d'enfants, et pour des femmes et pour des hommes. Néanmoins, s'il y a une spécificité française, elle est peut-être aussi là. C'est-à-dire qu'on est dans un État qui est encore un État nataliste, qui est un État extraordinairement préoccupé de sa natalité, qui, par ses politiques publiques, et on voit à chaque fois qu'il s'agit de l'allocation familiale, tout de suite, les choses s'enflamment. Enfin, on trouve normal, indifféremment des revenus, d'aider les gens parce qu'ils ont des enfants, et parce que c'est bien d'avoir des enfants. C'est un discours qu'on n'entend pas dans d'autres pays. Il y a quelque chose d'assez français dans cette façon de considérer que la natalité, c'est bien en soi. Oui, c'est une forme de paradoxe, même ou plutôt d'écartèlement, c'est-à-dire que à l'heure même où précisément les femmes sont en mesure de contrôler leur procréation, elles subissent de très fortes injonctions sociales à la maternité. Il y a même une forme d'idéalisation du maternel, hein, qui va bien au-delà d'ailleurs du natalisme, qui fait des valeurs maternelles, des valeurs qu'on associe au monde de l'entreprise par exemple, ou comme si tout d'un coup on découvrait les vertus de ce qui pendant des siècles enfermait les femmes dans leur foyer. C'est pas simple du tout, parce que je crois que c'est quelque chose là aussi qui une forme de technique des plaques qui fait que quand des évolutions majeures sont en train de se passer, il y a des formes de réaction. Ça a quelque chose à voir, je crois, avec une forme de prise de conscience générale de ce que il ne va plus de soi aujourd'hui de faire des enfants. Et comme ça ne va plus de soi, eh bien, il y a une forme de crispation sur l'idéal de la parentalité, l'idéal de la maternité, avec les dérives qu'on connaît, et puis ce qui déchire aussi les féministes, entre celles du type Badinter, qui sont tout à fait opposées à toute forme de maternalisme, et qui va jusqu'à faire du bébé le meilleur allié de la domination masculine. Je trouve que c'est poussé un petit peu loin le bouchon quand même. Et puis d'autres qui... ce qui est important, je crois, c'est d'accepter l'implicite de l'émancipation féminine, qui est le postulat de la liberté. C'est une liberté contradictoire, douloureuse, pas facile à assumer, parce que c'est pas facile d'éprouver une liberté en toute connaissance des déterminismes que nous subissons et des injonctions sociales que nous subissons. Mais néanmoins, les femmes, dans la sphère occidentale, il va de soi qu'on se limite à ce cadre, les femmes ont aujourd'hui, dans tous les domaines de leur existence, cette liberté inouïe qui leur permet de choisir, alors par exemple pour la parentalité, de s'arrêter de travailler à la naissance d'un deuxième ou un troisième enfant, ou alors de reprendre le travail à peine l'enfant né, ou alors de ne pas avoir d'enfant. Et je crois que c'est très important que de dire que toutes ces positions sont légitimes. Il n'y a pas une bonne façon et une mauvaise façon d'être une femme, il n'y a pas une bonne façon ou une mauvaise façon d'être une féministe. Je veux dire par là qu'à partir du moment où nous sommes d'accord pour faire de la liberté l'idéal absolu qui caractérise la vie des individus de notre ère néolibérale, d'ailleurs ce serait un autre sujet de discussion que d'examiner cette liberté à travers ce prisme du néolibéralisme, mais sur le point qui nous intéresse ici, c'est-à-dire que on doit permettre aux femmes de faire les choix qui sont les leurs, la parentalité, la conjugalité, la vie professionnelle, etc. Mais on peut même aller jusqu'à dire qu'aujourd'hui, elles sont, de ce point de vue-là, en tout cas, plus libres que les hommes. Je vous vois venir. C'est une question... oui, parce qu'il y a certains hommes qui pensent que... Parce qu'il y a une asymétrie aujourd'hui de fait. Certains hommes le pensent par exemple que si les femmes maîtrisent la procréation, les hommes, eux, ont en quelque sorte perdu cette maîtrise, puisque les femmes peuvent faire des enfants contre la volonté des hommes. Ils n'ont pas perdu dans le sens où ils ne l'ont jamais eu, ils n'ont jamais pu faire des enfants de leur côté, donc c'est pas qu'ils l'ont perdu, c'est que eux n'ont pas la maîtrise. Disons qu'ils avaient la possibilité de faire famille s'ils le souhaitaient, et qu'ils ont aujourd'hui en quelque sorte, disent certains d'entre eux, une forme d'obligation ou de contrainte familiale non choisie.
Régine Sénac. Alors peut-être là-dessus, je trouve qu'on touche bien sûr à un nœud, parce que ce phénomène, cette norme de la complémentarité, elle est calquée sur la prétendue complémentarité ou la complémentarité dans la procréation, qui ensuite devient légitime dans toutes les sphères. Et Françoise Héritier, par exemple, ou d'autres, associent la domination masculine et cette prise de pouvoir par les hommes dans toutes les sphères, au fait que ça serait une manière de contrecarrer ce pouvoir exorbitant qu'ont les femmes de procréer du même et de l'autre, puisqu'elles font à la fois des filles et des garçons, même si Aristote ou d'autres nous expliquaient bien qu'en réalité, les femmes étaient que des réceptacles, et ceux qui procréent en réalité, ceux qui ont réellement l'énergie procréatrice, ce sont les hommes. Hein. Donc il y a eu toute une littérature et une reprise en main de ce pouvoir de procréateur par les hommes, par l'idée qu'en réalité, les femmes ne sont que passives dans ce processus-là. Par rapport à l'idée de liberté grande aujourd'hui, en effet, l'enjeu serait celui-là, hein, de liberté, de non-domination. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que le spectre des possibles pour les femmes, en particulier pour les femmes françaises, est quand même plus serré que celui des hommes, en termes normatifs, de ce qui est considéré comme légitime, mais aussi en termes pratiques. Plus de 50% des femmes qui ont une activité salariée sont dans 12 familles professionnelles, alors que si on regarde la même proportion d'hommes salariés, 50%, ils sont dans 20 familles professionnelles, avec une caricature de la répartition des familles professionnelles. On va avoir le care, le maternage d'un côté, hein, tout ce qui est le rapport à la santé, à l'éducation, aux soins à l'autre, et puis de l'autre côté, le bâtiment, l'industrie et l'agriculture, hein, si on regarde vraiment les 50% les plus concentrés. En ce qui concerne, et je finirai là-dessus, le rapport au choix de faire des enfants, quand on compare avec d'autres pays, par exemple, qui ne sont pas forcément pour autant sujets et levier d'émancipation, mais quand on regarde l'Allemagne, par exemple, 30% des femmes en Allemagne n'ont pas d'enfants. Ça correspond au cadre. Il y a cette idée qu'il faut choisir entre avoir une carrière et avoir des enfants. Et celles qui n'acceptent pas cette norme-là sont perçues comme des corbeaux noirs qui abandonnent leurs enfants. En France, on est dans un modèle de la Wonder Woman. Alors, qui ne doit pas être complètement Wonder quand même, parce que les femmes qui gagnent plus que leur époux, qui ont une position plus élevée dans la hiérarchie sociale, ne sont pas forcément les plus valorisées. Mais on voit que la norme est très fine en France. C'est-à-dire qu'il faut avoir à la fois une activité salariée, si on compare à d'autres pays comme les États-Unis, l'Italie ou d'autres pays où être femme au foyer n'est pas forcément péjoratif. En France, il y a une difficulté d'être perçue comme inutile socialement si on n'a pas d'activité salariée. Donc il faut avoir une activité salariée, mais ne pas être le breadwinner, hein, ne pas être celui qui gagne ou celle qui gagne le plus. Avoir des enfants, avoir un enfant, c'est un peu moyen. Il vaut mieux en avoir deux en France, hein, c'est plutôt ça la norme. Le choix du proie, je crois que c'est un garçon et une fille. Hein. Voilà. Donc on voit que quand même la norme, elle est très très fine. Alors bien sûr qu'on peut bricoler avec la norme, on est beaucoup dans une logique de coaching, d'empowerment, d'agency, de tout ce qu'on veut. Mais la norme, elle est quand même très très forte et vous le dites vous-même. Et donc cette assignation à l'enfant et au fait d'être épanoui quand on a à la fois une activité salariée, enfin une profession, mais aussi des enfants. Alors on peut divorcer, faire des familles recomposées, mais tant qu'on fait, il faut faire famille, quoi. Enfin voilà. Donc ça, je trouve que je suis tout à fait heureuse qu'il y ait maintenant des revendications et qu'on revendique comme légitime de faire le choix de ne pas avoir d'enfants. Mais il est évident qu'on n'est pas pour l'instant dans ce modèle-là en France. On se gargarise et on est très heureux de dire qu'on est à la tête au niveau européen à la fois du taux d'activité sans regarder les différences de salaire, le temps partiel, mais aussi du taux de fécondité. Mais ça, c'est au prix de quoi? C'est au prix de beaucoup d'inégalités et de beaucoup de burn-out aussi. Parce que c'est très dur d'être tout à la fois, de tout bien faire à la fois. Merci. Peut-être on peut vous donner la parole. Il y a un micro qui peut circuler. Il reste un peu de temps pour des questions. Moi, il y a une chose qui m'a un peu surpris dans ce débat, c'est qu'on est en train de discuter de progrès. De progrès qui se continuent, qui sont
On discute pour savoir si c'est suffisant ou pas, s'il y a mieux ailleurs ou pas. Mais nous sommes aujourd'hui dans une situation où j'ai l'impression qu'il y a une quantité énorme de groupes qui veulent des retours en arrière et de menaces. Et je n'en ai quasiment pas entendu parler jusqu'à présent. On va prendre deux autres questions peut-être, si avant de vous proposer de répondre. Et d'autres questions ? Oui, monsieur là. Oui, j'ai écouté avec attention ce que vous avez dit, mais j'ai l'impression que c'est un discours idéologique qu'on a entendu depuis des dizaines d'années, alors que le monde actuel, la seconde présente, est totalement différent. Par exemple, moi, je ne suis pas spécialement porté sur ces choses-là, mais qui m'intéresse à beaucoup de choses. J'ai lu il y a 2 ans de ça un livre de Marie Plard qui s'appelle « Paternité imposée ». Et il y a quelques mois, elle est passée à la télé. Je ne regarde pas la télé, mais j'ai eu des comptes rendus dans la presse. Et c'est absolument effarant. Les femmes, d'après tout ce que vous avez dit, sont des malheureuses, etc. Enfin, d'accord, professionnellement, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais quand je vois une chose comme les paternités imposées, mais c'est effrayant, c'est les cheveux sur la tête. Il n'y a pas égalité. C'est les hommes qui sont des victimes. Mais savez-vous pourquoi ? C'est-à-dire que, par exemple, un homme, autrefois, dans le folklore, vous voyez, la littérature, Victor Hugo, Maupassant avec le fils de Pierre, Victor Hugo avec la petite Cosette, il y avait la fille mère, la malheureuse qui a été séduite et tout. Bon, c'était la salope. Et la pauvre, pourtant, la contraception n'existait pas. L'homme était coupable qu'il avait mis enceinte. Mais lui, il s'en tirait. Mais aujourd'hui, on a absolument inversé, d'après le livre de Marie Plard. Et elle est avocate, etc. Elle connaît très bien le sujet. Une femme peut faire un coup monté, par exemple. Vous voyez, dire « Ah, t'es un macho !» Une rencontre d'une fois, se retrouver en cloque, avoir un enfant que l'homme n'a pas voulu. Elle part, elle ne le revoit pas, elle a jusqu'à 10 ans pour réclamer. À ce moment-là, si avant 10 ans, l'homme est obligé de payer non seulement une pension alimentaire avec effet rétroactif, mais en plus ce qui va venir, jusqu'à la majorité de l'enfant, qui n'a pas voulu, mais en plus, il a même, alors ça peut se chiffrer en centaines de milliers d'euros, mais en plus, alors assez extraordinaire, il a déjà, c'est juste l'heure d'œuvre, 40 000 euros à payer, alors je ne sais plus le terme juridique, c'est escroquerie, je crois que... Escroquerie ou quelque chose comme ça. Je crois qu'on a compris. Et en plus, il y a le test de Jeffress qui permet de faire la... Je crois qu'on a compris votre point, monsieur. Attendez, je finis. S'il refuse le test de Jeffress, il est d'office père, même s'il n'a jamais vu cette femme. Si vous trouvez quelque chose de juste là-dedans. Pauvres okay. Hommes. S'il y a une autre question, on la prend et on va... Non, il n'y a pas d'autres questions. Non, mais... Alors, allez-y. Oui, non, mais bon... On entend toujours quelques voix assez isolées, et puis, excusez-moi, monsieur, assez situées aussi du point de vue générationnel, des hommes effarés, effrayés et démoralisés du pouvoir que prennent les femmes dans notre société. Je crois qu'on a suffisamment dit ce soir, Jeanne Sénac et moi-même, à quel point nous étions loin d'une égalité parfaite et à quel point, si on devait parler de victimes, ça serait davantage... du côté des femmes que des hommes. Et puis, je crois que simplement, il faut peut-être se débarrasser de ce mot qui ne rend pas compte, en fait, de la réalité de la situation. Réjeanne Sénac. Alors, par rapport à... Je vais réagir aux deux questions. Donc, par rapport à votre témoignage, il peut y avoir individuellement peut-être des situations qui sont dommageables et même...
qu'on peut dénoncer, mais je crois que, de manière plus générale, les individus, qu'ils soient hommes ou femmes, quand ils s'inscrivent dans une relation consentie sexuellement, ils sont en capacité de se dire que s'ils ne veulent pas d'enfants, ils peuvent se protéger et que la protection ne doit pas nécessairement venir des femmes. Donc, pour que ces hommes ne soient pas les pauvres victimes des femmes, il y a une solution très simple, hein, et qui protège tout le monde en plus, et pas uniquement les enfants, le fait d'avoir ou pas des enfants. Donc là-dessus, je crois que le sexe faible n'est ni d'un côté ni de l'autre. Il y a des individus qui doivent être assez matures pour prendre leurs responsabilités et pas se plaindre après s'ils n'ont pas pris leurs responsabilités. Sur le point en ce qui concerne les oppositions, les divergences, j'en ai un peu fait part et vous avez raison de le souligner. Je crois qu'il ne faut pas qu'on soit dans une lecture irénique où on serait tous dans une même conception de l'égalité et de son application en particulier à l'égalité femmes-hommes. Je citais les controverses autour de cette peur de l'indifférenciation des sexes, autour en particulier de l'éducation à l'égalité. Hein. Ce qu'on trouvait très très dangereux, c'était une éducation où on permettait aux filles de se projeter sur les mêmes métiers, sur une même vie que les garçons, et inversement, hein, puisqu'on voit aussi que les garçons ne sont pas non plus les bienvenus forcément dans les loisirs dits féminins, les métiers, voilà, même s'ils sont des plus dévalorisés, où les femmes sont majoritaires. On peut l'analyser de deux manières. On peut l'analyser un peu dans la logique, peut-être Camille Froidevaux-Métairie pourra, elle, le réagir, soit de Ressac, cette idée qu'il y a des vagues du féminisme, et comme dans toute avancée sociale, il y a des résistances et donc un peu des retours, donc soit comme une réaction, hein, un peu une résistance, mais qui ne change rien au mouvement. Soit on peut l'analyser comme un mouvement qui serait plus un mouvement vraiment de divergence de point de vue, où il y a des conceptions divergentes qui cohabitent, hein, et qui sont encore en lutte, hein, où la bataille n'est pas complètement gagnée dans l'interprétation de ce qu'on entend par égalité femmes-hommes. Et en particulier, les choix électoraux récents nous montrent quand même que c'est pas gagné, hein, pour vraiment être certain qu'on va pas avoir pas que du ressac, mais du backlash. Hein, voilà, qu'on va pas avoir de la remise. C'est du backlash, voilà, que je parle. Tout à fait. Donc là, vous avez raison de souligner et que c'est pas forcément que la réaction à un mouvement d'avancée, mais que c'est aussi très clairement deux conceptions qui sont loin d'avoir complètement gagné la bataille d'un côté ou de l'autre. Sur ce risque de backlash, Camille. Oui, moi j'avoue que je me reconnais davantage dans la première interprétation en termes de ressac, vous l'avez compris, oui, bien sûr. Mais ça n'empêche pas de pointer effectivement tout ce qui peut faire frémir, et notamment sur une question centrale qui est celle du droit à l'avortement, dont on voit bien qu'y compris dans nos pays occidentaux, régulièrement, il se trouve mis à mal ou questionné. Voilà, c'est... Je crois que... Si on prend cet exemple du droit à l'avortement... Quand on regarde de près ce qui s'est passé, on en a une conception un peu simpliste et caricaturale. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a eu un jour le vote d'une loi, la loi Veil, et qui a permis l'IVG légal en France. Les choses sont, quand on regarde de plus près, le combat politique, il est beaucoup plus long que ça. Il est par étapes. C'est une loi provisoire qu'il a fallu sanctuariser. Ça a mis très longtemps. Et donc le combat politique, il n'a pas été réglé en 1975 avec le débat au Parlement. Il a duré. Et on peut dire qu'encore sous le mandat de l'actuel président de la République, il a été sanctuarisé un petit peu davantage encore. Il y a les questions de remboursement. Il y a les questions. Enfin bon, et donc voilà. Mais ça, c'est, je veux dire, on a une façon de présenter les choses parfois tellement simpliste qu'on pense qu'un jour comme ça, il y a eu le droit à l'avortement. Non, c'est un droit qui s'est consolidé, qui s'est parce que précisément, peut-être, on sentait qu'il pouvait être menacé, qu'il pouvait être remis en question. Donc, mais toutes les mesures qui concernent justement la maîtrise du corps féminin ont donné lieu à des atermoiements et à des combats. Et la loi Neuwirth sur la contraception, 67, ça a 4 ans ou 5 ans avant d'avoir un décret d'application qui permettait effectivement aux femmes de se procurer des moyens de contraception dans les pharmacies. Donc il y a effectivement une forme de résistance très forte parce que, une fois encore, ce que ces dispositifs permettent, c'est quelque chose d'inouï à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire l'affranchissement des femmes de leur nature procréatrice.
Alors, c'est pas que les femmes, parce que je voudrais ajouter quelque chose, c'est pas forcément pour abonder dans le sens de monsieur, mais quand même, ça va lui apporter un élément, c'est que on est aussi dans un pays, et ça en fait encore une spécificité, où le contrôle étatique, le contrôle social sur les moyens de contraception masculin est extraordinairement fort. C'est-à-dire que la pratique de la stérilisation volontaire des hommes est étroitement contrôlée par l'État. Ça a été là aussi un combat politique très long, parce que ça a été pendant très longtemps pas tout à fait illégal, mais illicite. La jurisprudence datait du gouvernement de Vichy, d'ailleurs. Il a fallu attendre il y a peu de temps pour que ce qui est une pratique courante dans les pays anglo-saxons, la vasectomie, puisse en France devenir un droit pour les hommes. Et encore aujourd'hui, ce droit trouve à s'impliquer de façon extrêmement difficile. Le contrôle social exercé par des entretiens avec des psychologues, avec des médecins, le fait de savoir si vous avez ou non déjà des enfants, l'âge que vous avez... est quelque chose qui est assez choquant du point de vue des libertés individuelles. C'est-à-dire que, après tout, on est dans un pays où, normalement, un citoyen qui a 18 ans pourrait décider de subir une stérilisation parce qu'il a décidé, pour des raisons philosophiques, de ne pas avoir d'enfant de toute sa vie. Et l'État se mêle de ça en disant « Mais vous savez pas, monsieur, ce que vous penserez dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, etc. » Donc ça concerne pas que le corps des femmes, ça peut concerner celui des hommes aussi. Et de ce point de vue-là, il y a encore des combats à mener, me semble-t-il. Cette question de la stérilisation concerne aussi les femmes, j'y reviens. Bien sûr. Et c'est tout à fait frappant. Elle a été un peu plus, mais elle est aussi juridiquement très beaucoup plus compliquée en France que dans d'autres pays. Oui, avec un délai de réflexion très long, avec surtout des difficultés très concrètes, des jeunes femmes qui n'ont pas d'enfants, qui sont jeunes, qui se heurtent à un corps médical ultra masculinisé, qui leur envoie un certain nombre d'interrogations, qui les rabaisse à un rang comme si elles n'avaient pas de capacité réflexive sur leur propre destin. Et donc, du coup, on se passe. Même chose pour les entretiens préalables, pour l'IVG, etc. Mais, et donc, les praticiens qui acceptent de stériliser les jeunes femmes sans enfants sont des adresses et des noms qu'on se passe sous le manteau quasiment, avec des conséquences très, très, très douloureuses pour les femmes qui ont fait ce choix. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Bonjour. Moi, c'est donc je suis étudiante, donc je sais pas beaucoup de choses. Donc c'est juste quelque chose que j'ai lu. C'est une théorie selon laquelle on essaye de faire reconnaître les crimes contre les femmes, spécifiquement un peu en analogie avec crimes contre l'humanité. Ou du coup, quand, par exemple, il y a une agression, quelque chose comme ça, on reconnaisse que ce soit parce que c'est une femme qu'on l'a agressée, et pas pour autre chose. Enfin, voilà. Et je voulais savoir si ça aussi, ça faisait partie du combat pour l'égalité, ou au contraire, ça a entraîné encore plus dans une sorte de, comme vous disiez, de conception binaire. C'est un débat qui a été réactivé à l'occasion des événements terribles de Cologne sur la question de savoir si le sexisme pouvait être considéré en quelque sorte comme une circonstance aggravante, c'est-à-dire qu'on pouvait qualifier le crime comme étant un crime sexiste. Je pense que c'est une réflexion juridique qui fait son chemin et qu'il me paraît assez probable qu'elle donne lieu peut-être à des textes de loi. Je ne sais pas où en est exactement le processus. Alors juste, vous soulevez à mon avis deux points en particulier. Donc il y a aussi toutes les volontés au niveau international de reconnaître les féminicides, hein, en particulier dans différents pays en voie de développement, soit pour des raisons de nombre d'enfants autorisés, on pense à la Chine, oui. À la Chine en particulier, on va avoir un infanticide, hein, des petites filles qui naissent. Donc vraiment cette idée d'une violence de genre qui va jusqu'au crime, ou des violences qui sont des violences considérées comme légitimes dans aussi hein, les mariages forcés de jeunes filles, ou voire d'enfants. Enfin voilà, donc cette dimension qui est une dimension vraiment universelle. Et puis dans votre question, ce que j'entendais aussi quand vous me disiez est-ce que c'est contradictoire avec la remise en cause de l'assignation à la binarité, ça me fait penser à une réflexion de Derrida dans Politique de l'amitié, où il nous dit en fait on est dans un dilemme. On peut dire la même chose d'ailleurs pour la lutte contre le racisme. Pourquoi ? Parce que remettre en cause des discriminations qui sont faites à des individus au nom de leur appartenance réelle ou supposée à des groupes, hein, je veux dire,
l'antisémitisme, le racisme, on ne va pas demander si la personne se sent juive. Voilà, c'est de la même manière, si on se sent femme, féminine, voilà, pour vous agresser. Donc, c'est objectiver ces discriminations et ces inégalités en tenant compte de ces groupes constitués qu'on n'a pas choisis et qui sont en soi discriminatoires, mais pour arriver à les dépasser. Donc il dit, en fait, il y a un dilemme, parce qu'on est obligé, on le voit à travers les statistiques qu'on a citées aujourd'hui, de faire ces deux groupes et de travailler sur ces deux groupes hommes-femmes, même si et je suis la première à le dire, et le livre coordonné par Paier et Wills est très intéressant sur qu'est-ce que le corps sexué dans le dialogue entre les sciences dures et les sciences sociales. Donc, on est obligé de sédimenter ces frontières pour pouvoir objectiver les inégalités, mais en ayant pour objectif d'arriver à les dépasser et justement à être perçus ensuite comme des individus qui ne soient pas enfermés dans ces groupes. Donc, moi, je ne suis pas contre le fait qu'on objective et qu'on regarde les inégalités, qu'on les objective, voire qu'on mette en place des actions positives. C'est pour cette raison que, par exemple, je pense que dans un pays qui était celui du pays des droits de l'homme et des frères, on devait en passer, par exemple, par les lois dites sur la parité en politique ou les quotas, voilà. Mais que pour que ça soit efficace, pour porter réellement une égalité et non pas recomposer de la complémentarité efficace dans une ère néolibérale, qui plus est, il faut le justifier au nom de la déconstruction des discriminations et non pas au nom de la plus-value de la différence ou de la performance de la mixité. Donc, des politiques publiques et des actions positives, oui, qui donc là s'inscrivent dans des catégories qu'il faudra à terme remettre en cause, mais les principes de justification sont très importants pour arriver justement à ne pas sédimenter ces différenciations, mais à lutter contre des discriminations. Bien. Mais vous vouliez ajouter quelque chose? Mais s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter il là. Il me reste à vous remercier. Merci. Et puis juste deux petits mots. D'une part, les images que vous avez vues au début, il y en a un certain nombre qui sont dans notre salle des collections, notamment les actualités cinématographiques. On a un fonds, découvrez-le si vous ne le connaissez pas, un fonds qui est absolument passionnant d'actualités cinématographiques depuis 1910 jusqu'à 1975. Et il y a des perles comme celles que vous avez vues. Et puis, pour ceux que ces questions intéressent, je voudrais rappeler que nous sommes également partenaires dans cette salle des collections du Centre du Visuel Simone de Beauvoir. Vous avez parlé de l'importance de la deuxième vague féministe. Et nous avons, j'ai plus le nombre en tête, mais près de 200 documents du Centre de Zèle de Beauvoir, Simone de Beauvoir, que vous pouvez voir dans notre salle des collections à tout moment. Voilà. Merci.